Je m'appelle Philippe Villemin, je travaille à la bibliothèque de Sciences Po Bordeaux, où je m'occupe plus particulièrement de la documentation électronique. Alors, mes missions se déclinent en trois catégories. Premièrement, je suis chargé de collection en sciences sociales, où je m'occupe de l'acquisition des livres et de la veille documentaire sur cette thématique. Deuxièmement, je participe aux formations à destination des étudiantes et des étudiants, et je participe également à l'accueil des publics en salle de lecture. Troisièmement, je m'occupe de la documentation numérique pour la bibliothèque. La documentation électronique, c'est l'ensemble des livres et des revues numériques qu'on propose à nos usagers. Quand on acquiert de nouvelles ressources numériques auprès de nos éditeurs, je m'occupe de les intégrer au catalogue. Je m'assure ensuite que tout le monde y a bien accès sur son ordinateur, depuis l'établissement ou depuis chez soi. Les mémoires des étudiantes et des étudiants font aussi partie de la documentation numérique. En effet, depuis 10 ans, les étudiants déposent leurs mémoires au format PDF sur une plateforme dédiée. Une dématérialisation qui nous permet de répertorier tous ces mémoires dans une base de données, base qui est ensuite mise à disposition des étudiants pour les années suivantes. Clairement, les sciences sociales. J'aime les sciences politiques et la sociologie. J'ai besoin de comprendre le monde et les comportements humains. Ça me permet de dépasser les stéréotypes véhiculés par le sens commun. Mais explose, Philippe. Ouais.